Salut Internet, c'est Kamoff, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo assez spéciale, car on nous a contactés. Parce qu'apparemment, il y a quelqu'un qui maltraite des animaux dans une cave d'un bâtiment de HLM. Donc, c'est des HLM à Marseille, des cités qui sont sensibles, des quartiers chauds, d'accord, où il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de délinquance, etc. Et bien sûr, des choses qui ne doivent pas se passer. Et là, aujourd'hui, on nous a contactés parce que des gens entendent des bruits suspects dans leur cave, dans les caves où ils habitent. Donc, en fait, si vous voulez, ils ont les bâtiments, d'accord. Et après, il y a des caves communes. Et apparemment, les gens, ils n'osent même plus descendre tellement que c'est le bordel et tellement qu'il se passe des choses de fou. Donc, on a reçu plusieurs témoignages de ces habitants et on a réussi à avoir l'adresse. Et grâce à l'adresse, on va pouvoir y aller, nous, pour voir ce qui s'y passe, pour prendre des photos, des vidéos et appeler la police si vraiment c'est trop chaud pour nous. Parce que nous, malgré ce qu'on fait, ben, on n'est pas de la police, on n'est pas de la BAC, on est personne. Nous, on est juste là, on est des lanceurs d'alerte, si vous voulez. Quand on peut agir, on agit. Mais il y a des fois, on ne peut pas agir. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le bâtiment en question, à l'adresse en question, et on va essayer de rentrer dans les caves pour voir ce qui s'y passe, s'il y a des gens, s'il y a des animaux, s'il y a, je sais pas, des vols, de la casse, n'importe quoi. On y va en caméra cachée et j'espère trouver quelque chose et pouvoir faire en sorte que les habitants soient tranquilles et que ce qui se passe à l'intérieur s'arrête. Donc venez avec moi, on va prendre la voiture, on va à l'adresse et on va tenter d'entrer dans les caves du bâtiment. C'est parti, bonne vidéo à tous. Donc les gars, on vient d'arriver dans la cité en question. On va pas donner le nom de la cité parce que j'ai pas envie d'avoir de problème moi non plus. On est quand même à Marseille, faut pas l'oublier. Et voilà, donc c'est une cité qui est assez sensible. On va essayer de faire les blocs un par un pour voir si on peut rentrer dans des caves, tout simplement. Là, apparemment, c'est des blocs. Et je pense qu'on peut accéder aux caves en passant par les blocs. Donc là, il y a un bloc, on va essayer de rentrer. On fait le tour, il y a une autre porte de l'autre côté. On passe par là. Alors sachez qu'à chaque fois qu'on tourne ce genre de vidéo, les gars, on prend des risques parce que il y a quand même beaucoup de délinquance ici, les gars. C'est des quartiers pauvres. Il y a une école juste à côté en plus, donc ça craint quoi. On va faire le tour avec un peu de chance, l'autre porte elle est ouverte, tu vois. Non, c'est pas là. Bien, ça doit être en haut. Hein. Ah, c'est là, je crois. Allez, viens, apprête. Ouais. Bon, les gars, là, on vient d'arriver dans la cave, dans les caves, et apparemment, c'est ici qu'il y aurait... Oh, putain, c'est pourri. Vas-y, viens. Putain, il n'y a pas de lumière ici. Attends, attends. Attends, je veux qu'il y ait la lumière. Là, viens voir. Ah gros, ça sent trop vraiment mauvais. Ah putain. Ça doit être un truc caché quelque part, gros. Si c'est une étoile d'araignée et tout, bordel. Bon, mais toutes les merdes de pigeons qu'il y a, gros. Comme c'est sale. Putain, les maladies qu'il doit y avoir ici. C'est glauque quand même, frérot. Il n'y a pas de trace, il n'y a rien. Non. Attends. T'as entendu? Ouais. Il est mort? Allez, viens voir, viens, passe. Frérot, là on arrive dans la partie, je sais pas s'il y a de la lumière ici. Pff, frérot, t'as pas chaud? Putain, mais chaud. Tiens, mets ça dans ton sac. C'est bien ces micro-cravatés finalement, ils avaient raison les gens. Il fallait qu'on en achète un. Allez, viens. Et ici, y a pas de lumière, gros? Y a pas de détecteur, frérot, ici. On dirait qu'ils ont enlevé exprès. On dirait que c'est abandonné depuis très longtemps, gros. Là, il y a quoi ici? Attends, attends. Doucement. Pas de bruit. Bon frérot, qu'est-ce que c'est ce bordel?
Attends. Mais qu'est-ce que c'est, gros? On est où? Mais c'est censé être... Rien. Frérot, c'est quoi? C'est de la chimie? C'est quoi? C'est un mec qui fait de la chimie ou quoi? Touche à rien, mets pas tes mains nulle part. Regarde, hein. Rien. Touche à rien, touche absolument à rien. Mais ça, c'est... Ah, gros... Faut appeler les flics, frère. Faut appeler la police, gros. Frérot, faut se tailler, gros. Oh, frérot, je sais même pas si cette vidéo, on va pouvoir la mettre sur Internet, la vérité. Attends. Chut. Frérot, on est mort. T'as entendu ou pas? Non. Faut se tailler. Gros, faut partir. Oh! Chier, putain, fais chier. Réponds, bordel, réponds! Oh! Réponds, putain! Oh, réponds! Tu fais quoi là? Réponds! Dis-moi qu'est pas ça. C'est la merde depuis que la bague zone en passate. Sur la prod on fait du son de bâtard. C'est le son des crapules, un 3 pour tous mes spartiates. Ouais, mon ami tu veux la guerre, prépare les armes. Ne teste pas les hommes et surtout faites pas les stars. On va te niquer, t'écouteras le bruit du canon scié. Personne joue un rôle, la rue la vraie c'est pas du cinéma.